a une Marocaine, on a des Érythréens, on a des Syriens, on a des Sri Lankais, on a Afghanistan aussi. Rien de difficile ici, mais un peu, mais les boissons comme ça, les vins, c'est différent, c'est pas la même. Mais plus que c'est français, c'est un peu difficile pour nous, mais ça va. C'est un contrat moral qu'on signe avec eux. Ils s'engagent pour faire la formation de A à Z. C'est-à-dire que s'ils ne suivent pas la formation ou s'ils arrêtent, il y a des sanctions qui sont mises en place. Et puis, le but, c'est effectivement qu'ils puissent intégrer le marché du travail le plus rapidement possible. Ça a permis de mettre en relation les requérants avec la population locale. Et puis, en fait, ça a permis aussi d'instaurer un dialogue et puis de pouvoir faire tomber certaines barrières qu'il y avait au départ.